nous accueillons donc Dominique Vidal, journaliste, historien, qui était membre encore jusqu'à peu de la rédaction du Monde diplomatique et qui est un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Il a écrit plus d'une quinzaine d'ouvrages. Je citerai seulement les quatre derniers, qui m'intéressent plus particulièrement. Les 100 clés du Proche-Orient, qu'il a écrit avec Alain Gresh. Un autre Israël est possible, qu'il a écrit avec Michel Vacharsky. Le ventre est encore fécond. Et enfin, l'état du monde 2017, avec Bertrand Badie. Il est là aujourd'hui pour nous parler de son dernier ouvrage, Anti-sionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Sa citation d'Albert Camus en exergue de son ouvrage éclaire son propos. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Le 16 juillet 2017, Emmanuel Macron s'apprête à terminer son discours, fort au demeurant, lors de la commémoration à Paris du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv par la police de Vichy, et soudain, se tournant vers Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, convié là pour la première fois, et lui donnant affectueusement du « cher Bibi », il lance « Nous ne céderons rien ». Ça ne doit rien à l'antisionisme, car il est la forme inversée de l'antisémitisme. Jamais un chef de l'État n'avait commis une telle erreur historique, également doublée d'une faute politique. Aux amis du monde diplomatique, comme l'association France-Palestine Solidarité, cette affirmation du chef de l'État nous choque profondément. C'est ce que Dominique Vidal va maintenant dénoncer et démonter. Dominique, à toi la parole. Merci beaucoup. Et quand j'ai entendu cette phrase, dite à la fin d'un discours excellent par ailleurs, à mon avis, je me suis demandé ce qui se passait. Parce que jamais un président de la République, pas même Nicolas Sarkozy, qui avait beaucoup de sympathie pour Israël, ni même François Hollande, dont on sait qu'il avait, lui, un champ d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, disait-il, jamais on avait fait un amalgame aussi scandaleux. Un amalgame, en clair, entre l'antisémitisme, qui est un délit, puni par les lois, et l'antisionisme, qui est une opinion qu'on peut partager, approuver, détester, tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas un délit, en tout cas pas en France. De quoi s'agit-il pour dire en quelques mots comment je définis l'antisionisme? C'est la critique de la pensée de Theodor Herzl, avec à la fois l'idée qu'avait Herzl de l'impossibilité pour les Juifs de s'assimiler, de s'intégrer dans les pays où ils vivaient. La preuve a été faite depuis qu'il n'en était rien, loin de là, j'y reviendrai. Et donc, il fallait que tous les Juifs se réunissent en Terre Sainte. C'est exactement la position, d'ailleurs, des évangélistes américains aujourd'hui. Donc, on peut penser ce qu'on veut de cette manière de voir l'histoire des Juifs, mais on ne peut pas considérer que cette critique soit un délit. Je vais donc, brièvement, prendre les deux éléments qui sont dans la phrase de Macron, comme tu disais, Emmanuel, c'est-à-dire d'un côté l'anti-judaïsme, l'antisémitisme, de l'autre l'antisionisme, et puis essayer d'expliquer ce dont il est question. D'abord, l'anti-judaïsme, puis à partir du 19e siècle, l'antisémitisme, c'est une invention d'un penseur allemand à la fin du 19e siècle, M. Marr, s'appelait-il, c'est un fil rouge qui traverse toute l'histoire de l'Europe. Beaucoup plus, d'ailleurs, je le signale, que l'histoire du monde arabo-musulman. Ça s'est traduit par des discriminations, des expulsions, des massacres, y compris, par exemple, les croisades
dont on oublie souvent, on ne sait pas, que sur la route pour libérer Jérusalem, on commençait par tuer les Juifs qu'on rencontrait. Et puis, évidemment, il y a les pogroms de l'Empire tsariste, c'est-à-dire de la Russie et de la Pologne à l'époque, tout cela atteignant son apogée avec le génocide nazi, qui, je veux le rappeler, visait d'autres catégories que les Juifs, les tziganes, les malades mentaux, les handicapés, les homosexuels, les slaves d'une manière plus générale. Mais les Juifs, il y avait quelque chose de particulier, c'est que les nazis voulaient les exterminer jusqu'au dernier. Je vous donne un exemple pour bien comprendre le caractère obsessionnel de l'antisémitisme nazi. Dans l'été 44, quand la Wehrmacht se trouve en difficulté parce que l'armée rouge est en train de la bousculer très sérieusement, on dégage quand même un certain nombre de SS pour aller jusque dans les dernières îles grecques, chercher un juif ou une juive. Vous imaginez bien qu'il y avait autre chose à faire, autre chose de plus important, a priori, de résister à la poussée de l'armée rouge, que d'aller chercher des juifs isolés dans les îles grecques. Ça montre bien quand même le caractère de ce génocide des Juifs. Ce qui est arrivé, on le sait, c'est pas la peine de revenir longuement, la moitié des Juifs d'Europe sont exterminés, un tiers de la population juive mondiale. En France, où le régime de Vichy a organisé le génocide des Juifs à la demande des Allemands, mais selon sa propre initiative, la police de Vichy a déporté 75 000 juifs qui sont presque tous morts. Il en est revenu moins de 2 000. Je précise quand même, ça aussi c'est une chose qu'on n'entend pas souvent, donc je me fais un devoir de vous le dire, qu'en 1939, avant la guerre, il y avait en France 330 000 juifs français ou étrangers qui s'étaient réfugiés dans les années 30 avec la montée du nazisme. Ce qui veut dire que le pourcentage de juifs qui ont échappé au génocide est le plus fort de toute l'Europe. Quand on culpabilise, vous voyez à qui j'ai en tête l'ensemble des Français à propos du génocide, il faut quand même le rappeler. Et tous ceux qui ont connu cette période, dont les parents ont raconté cette période, savent qu'aucun juif en France n'a échappé par hasard au génocide. C'est un policier qui a prévenu à l'avance qu'une rafle allait avoir lieu, c'est une concierge qui a caché des enfants, c'est le village du Chambon-sur-Lignon où ma maman était réfugiée, cachée, qui a sauvé au bas mot 5 000 jeunes enfants juifs. C'était des braves paysans protestants qui savaient ce que c'était les persécutions à travers leur histoire et donc qui voulaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de persécution et en particulier d'enfants. Ce qui est incroyable, je passe sur cette période terrible, c'est que en quelques dizaines d'années, l'antisémitisme, je veux dire comme idéologie, qui était massif pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris parce que Vichy organisait la propagande antisémite, des expositions, qui est le juif, il y avait dans les journaux partout des attaques contre les juifs, etc., etc. Cet antisémitisme a été, en l'espace, encore une fois, de peu de temps, marginalisé. Ce n'est pas une affirmation genre méthode Coué. Voilà la preuve. En 1946, ça vous étonnera peut-être, l'IFOP existait déjà. Et donc l'IFOP demande aux Français, les Juifs sont-ils des Français comme les autres? Et à l'époque, un tiers seulement répond oui. L'an dernier, la même question est posée toujours par l'IFOP,
à un autre panel, évidemment, de Français, eh bien, 93% des sondés disent « oui, les Juifs sont des Français comme les autres ». Et ils ajoutent, même pourcentage, 93%, « rien ne peut excuser un acte ou une parole antisémite ». C'est d'autant plus notable, ce résultat, que ça n'est pas vrai d'autres catégories de la population. Je pense en particulier au rejet de plus en plus vif des musulmans. Je signale par exemple que non seulement 36% des Français estiment que les musulmans sont mal intégrés, mais 83% les en rendent responsables. S'ils sont mal intégrés, c'est de leur faute, parce qu'ils seraient, dit le sondage, repliés sur eux-mêmes et refuseraient de s'ouvrir sur la société. Il n'y a que 17% de nos concitoyens qui disent qu'il y a un problème dans la société de non-intégration des musulmans. Voilà donc pour ce qui est de l'antisémitisme comme idéologie. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce qu'il y a aussi des préjugés. Et là, les résultats sont beaucoup moins positifs. En gros, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, la moitié des Français considèrent que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France, que les Juifs ont beaucoup de pouvoir, que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français, et 38% que les Juifs sont un peu trop présents, j'aime bien le « un peu », trop présents dans les médias. Mais, je le dis quand même, il y a aussi des préjugés en France, certainement pas contre les Montpelliérains, bien sûr que non, mais contre les Corses, les Bretons, les Auvergnats, etc. Or, personne ne prétendra qu'il y a un racisme anti-Corse, anti-Breton ou anti-Auvergnat. Donc, il faut bien faire la différence entre l'antisémitisme, le racisme, et les préjugés. Mais il faut en même temps avoir en tête ces préjugés, parce que ça fait partie de la situation. Troisième élément, ce sont les violences racistes et antisémites. Je dis les violences parce que dans le rapport annuel publié par la Commission consultative des droits de l'homme sur, ça s'appelle, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, c'est tous les ans, depuis très longtemps, on utilise deux concepts. Un concept violence, c'est à peu près clair, parce que ce sont des attaques qui sont l'objet de plaintes dans les commissariats et qui peuvent donner suite à des procédures judiciaires. Et puis il y a un autre concept qui est celui de menace. Alors personnellement, je n'utilise jamais ce concept, parce qu'il ne veut strictement rien dire. Ça va de une paire de gifles jusqu'à un courriel anonyme, un graffiti, une parole échangée. Enfin, c'est quand même une auberge espagnole, si je peux dire, qu'on ne peut pas facilement utiliser. En tout cas, sur les violences, ce qui est indiscutable, c'est que entre 2001 et 2002, c'est pas par hasard, c'est au moment où se déclenche la seconde intifada et sa répression, donc ça a des effets sur la société française, ces juifs, et ces arabes, et ces musulmans, on a une multiplication par 4 des actes de violence racistes et par 6 des actes de violence antisémites. Donc là, on est devant une explosion, en clair, de ces phénomènes. Mais, là aussi, ce que le CRIF ne dit jamais, le CRIF ne dit que ce qui lui convient, et pas ce qui ne lui convient pas, eh bien, en quelques années, cette poussée, cette multiplication des actes racistes et antisémites disparaît, quasiment. C'est-à-dire, on est dans un recul massif de ces phénomènes. Et on a très clairement un recul du même type pour les actes anti-musulmans.
qui explose en 2015, pour des raisons évidentes liées aux attentats terroristes, et qui recule massivement dès 2016-2017, dans les mêmes proportions que les actes antisémites ont reculé au début du siècle. Pour vous donner une idée, on est dans une décrue qui continue encore en 2017. Je vais vous donner les chiffres, je vous dirai pourquoi après, ce n'est pas du tout nécessaire de les mémoriser. Il y a en 2017 121 faits anti-musulmans, 311 faits anti-juifs et 518 autres faits racistes. En fait, c'est parce qu'on distingue dans certaines études les musulmans des arabes. Mais en fait, on peut quasiment additionner les deux, ce qui donne une idée quand même de la disproportion entre actes antisémites et actes anti-arabes. Pourquoi je vous ai donné les chiffres ? Parce que si vous les additionnez, 121, 311, 518, vous voyez bien que ça donne au total des chiffres très réduits. Parce que les actes de violence en France, en général, c'est des centaines de milliers d'actes de violence. Donc autant il faut s'inquiéter des violences antisémites ou racistes, autant il faut avoir en tête que c'est infinitésimal dans l'ensemble des violences. Ça aussi, le CRIF ne le dit jamais. On a un sondage qui alimente un peu cette théorie de l'antisémitisme musulman. C'est un sondage de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, dont le directeur est surtout connu comme un dirigeant du Parti Les Républicains, plus que comme sociologue, Dominique Régnier. Voilà. Quand il a publié ce sondage il y a quelques années, là, si je peux me permettre ce jugement de valeur, la meilleure des sociologues du racisme et de l'antisémitisme, Nona Meyer, a fait un article extrêmement vif, c'est le moins qu'on puisse dire, dans Le Monde, qui s'appelait « Parler d'antisémitisme avec rigueur ». Et elle lui faisait, à Dominique Régnier, des reproches à la fois méthodologiques, par exemple, c'est presque drôle, elle s'est aperçue en enquêtant que les questions assez compliquées quand même qui étaient posées, elles étaient posées dans la rue. On connaissait les micro-trottoirs, là c'était les micro-sondages, donc les gens devaient en une demi-seconde répondre à des questions très, très difficiles. Et surtout, Nona Meyer contestait sur le fond l'idée même d'antisémitisme musulman, ou comme on dit aussi, de nouvel antisémitisme. Et elle mettait en cause, comme fondement de cette tentative, les travaux de Pierre-André Taguieff, qui disait, Nona Meyer, je la cite, « voit un antisémitisme masqué derrière la critique d'Israël et du sionisme, au nom de l'antiracisme et des droits de l'homme, et porté tant par l'islamisme radical que par les idéologies tiers-mondistes d'extrême-gauche. » L'avantage avec Nona Meyer, c'est que les choses sont dites clairement. Le problème, c'est que dans la vie, il y a aussi le qualitatif, c'est-à-dire le vécu des personnes concernées. Et le vécu, c'est que depuis quelques années, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je mets de côté les attentats terroristes dirigés depuis l'extérieur, la rue des Rosiers, la rue Copernic, eh bien, 11 juifs ont été tués en tant que juifs en France. Alors, il y a des meurtres, des assassinats sur lesquels il n'y a pas discussion du tout. Je pense aux 4 victimes juives de Mera, et je pense aux 4 victimes juives également de Koulibaly dans l'hypercachère. Et puis il y a 3 assassinats particuliers. Ilan Halimi, Lucie Attal Halimi et Mireille Knoll. Personnellement, je vous livre mon point de vue, je crois qu'on ne peut pas très facilement distinguer les motivations des tueurs. C'est certainement
des tueurs antisémites au sens où leurs victimes sont juives, ça c'est pas discutable. Mais comment nier que dans le cas par exemple d'Ilan Halimi ou de Lucie Attal Halimi, il y ait une dimension de crime crapuleux? Fofana, quand il a torturé et tué Ilan Halimi, il voulait du pognon. Et il pensait que comme c'était un juif, il en avait. Ou que ses parents en auraient. Quant à Mireille Knoll, alors là, on est vraiment, il suffit d'écouter le fils parler, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez difficile à démêler. L'assassin connaissait Mireille Knoll depuis son enfance. Il allait chez elle, dans son tout petit appartement. Il allait boire le coup avec elle. Il a été pris dans une affaire de mœurs, dont je ne vais pas parler longuement. Elle est venue, bien qu'elle soit malade, elle est venue au commissariat pour me défendre. Moi, je suis personnellement très convaincu que les sociologues ont tort, aussi d'ailleurs dans le cas des djihadistes, de refuser par principe toute dimension psychiatrique. Il y a un certain nombre de meurtres, d'assassinats, où la dimension psychiatrique est majeure. J'ai l'impression que c'est le cas pour Mireille Knoll. Ce qui est sûr, c'est que la lutte contre l'antisémitisme et le racisme reste plus que jamais nécessaire, et nécessaire avec une vigilance de tous les instants. Toute forme d'incitation à la haine raciale, toute propagande négationniste doivent être combattues, sanctionnées. On a la loi antiraciste, ou plutôt la loi de 1881 utilisée comme loi antiraciste. On a la loi antiraciste de 1972, on a la loi Guesso contre le négationnisme en 1990, on a le code pénal aussi, il ne faut pas oublier. Bref, la seule chose qui est importante, c'est d'appliquer ces lois. Ce qui est clair, je veux le dire absolument clairement, nettement, c'est que plus on se dit, on se veut antisioniste, et plus il faut être vigilant sur toute forme d'antisémitisme ou de racisme. Pas parce que celui qui se livre à des dérapages en ferait les frais, ça c'est son problème, mais parce que la cause qu'il prétend défendre, en l'occurrence la solidarité avec le peuple palestinien, c'est elle qui en souffre quand on se livre à des dérapages de ce type. Voilà pour le premier terme de la comparaison, de l'amalgame du président de la République. Pour le second, en fait, on n'est pas très loin du sujet que je viens d'aborder, parce que le sionisme est né de deux événements majeurs, les pogroms de 1881-1882 en Russie, et l'affaire Dreyfus en France. Or, il se trouve que, à l'époque, au moment où se déclenche l'affaire Dreyfus, c'est un hasard évidemment, Théodore Herzl, jeune intellectuel juif hongrois installé en Autriche, il vient d'être nommé correspondant de son journal, la Neue Freie Presse, à Paris. Donc il a derrière la tête l'affaire des pogroms, devant lui l'affaire Dreyfus, il assiste dans la cour des Invalides à la dégradation du capitaine Dreyfus. Et donc, c'est une version plutôt bienveillante à l'égard de Herzl. On peut penser qu'il avait des arrière-pensées. Mais en tout cas, il écrit que ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus démontre que même dans le pays qui a donné le premier l'égalité des droits, l'émancipation aux Juifs, il y a une poussée d'antisémitisme très forte. Et elle est très forte. Lycée, malheureusement, il faut lire un livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Le moment antisémite ». Et Birnbaum a utilisé les comptes rendus des préfectures, des commissariats, etc. Et on est effaré, moi le premier, quand on s'aperçoit qu'en fait on a été à deux doigts de pogrom dans un très grand nombre de villes françaises, avec des foules qui allaient casser des magasins, faire la chasse aux juifs, etc. Donc c'est pour dire que
on peut considérer que Herzl a été extrêmement marqué, choqué par cette situation. Donc il fait son livre en 1896, L'État des Juifs, puis il réunit l'année suivante le premier congrès sioniste mondial qui se fixe pour objectif, je cite, « Le sionisme s'efforce d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. » Alors le fondateur du sionisme, qui part donc, je vous le disais tout à l'heure, de l'idée que les juifs ne peuvent pas s'assimiler, la preuve, les pogroms, la preuve Dreyfus, il faut donc créer un État juif. Et il va, jusqu'à la fin de sa vie, en 1904, essayer de trouver des sponsors qui, en l'occurrence, sont des chefs d'État. Donc il rencontre le Kaiser allemand, il rencontre le Sultan ottoman, il rencontre le Pape, il va même voir les ministres du Tsar, qui d'ailleurs sont les organisateurs des pogroms dont j'ai parlé. C'est là qu'on sent certains doubles langages de Herzl, puisqu'il explique dans son journal qu'il a dit au ministre du Tsar « Vous voulez vous débarrasser de vos juifs, nous on veut les prendre, ça tombe bien, on va s'arranger. » Mais ça ne va pas s'arranger parce qu'il n'y a pas d'accord. Herzl meurt sans avoir réussi son projet. Et c'est son successeur, Chaim Weizmann, qui va débloquer la situation en obtenant, comme vous le savez, la déclaration Balfour en 1917. Les Britanniques ne font pas du tout ça pour les beaux yeux des Juifs, bien sûr. D'abord, ils sont en difficulté en 1917 sur le front de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment très difficile à ce moment-là. Et ils se disent que faire un cadeau aux sionistes, ça va permettre de mobiliser les sionistes et au-delà les juifs dans leur sens. Par exemple, les Américains ont promis d'intervenir, mais ils n'ont rien envoyé personne. Il faut attendre le printemps 1918 pour que les premiers soldats américains arrivent. Donc l'idée, c'est que les juifs aux États-Unis ont de l'influence, donc ils vont... De la même manière, l'idée, c'est que la révolution bolchevique qui se profile à l'époque, elle pourrait entraîner le retrait de la Russie du combat contre l'Allemagne. Et donc, comme il y a énormément de juifs dans les directions des partis communistes et des partis sociaux-démocrates et des SR, etc., enfin, il y a un très grand nombre de juifs, on se dit que peut-être... on va convaincre ces juifs de faire en sorte que la Russie reste dans la guerre. Bref, les Britanniques ont des intérêts immédiats. Et puis ils ont des intérêts à long terme, ils souhaitent mettre la main sur le Moyen-Orient, dont la Palestine est quand même un lieu vital, parce que c'est leur ligne qui va de Londres à l'Inde. Donc on passe par le canal de Suez, donc le contrôle de cette zone leur paraît extrêmement important. Eh bien, malgré tout ce bouleversement de la situation du fait de la déclaration Balfour, et ensuite de la mise en œuvre du mandat britannique, à partir de 1922, l'immense majorité des juifs, à l'époque, refuse formellement le projet sioniste. À commencer par les communistes. On lit ce que Lénine écrit sur le sionisme. On comprend dès 1903, hein, donc ce n'est pas une chose de dernière minute. Hein, il écrit « Absolument inconsistante au point de vue scientifique, l'idée d'un peuple juif spécial est par sa portée politique réactionnaire. » Et Lénine se bat sur cette question, c'est important visiblement. Mais il y a aussi le Bund, disons l'équivalent de la social-démocratie, pas tout à fait, qui est pour l'autonomie juive, mais l'autonomie culturelle, et dans les pays où vivent les juifs, pas en Palestine. Et le Bund n'est pas plus gentil avec le projet sioniste que ne l'est Lénine.
Il considère le sionisme, je cite, comme une réaction de la classe bourgeoise contre l'antisémitisme et la situation anormale du peuple juif, etc., etc. Troisièmement, on oublie toujours ça, il y a les religieux juifs, orthodoxes notamment, mais pas seulement. Pour eux, l'idée de faire un État juif en Palestine, quand le Messie n'est pas venu, c'est un blasphème. C'est absolument inacceptable. Et ça va durer, hein, cette opposition. Il faudra attendre 1947 pour que David Ben-Gourion arrive à mettre sur pied un compromis qui s'appelle le statu quo. Et en fait, on est toujours aujourd'hui en Israël dans les conséquences de cette relation très tendue entre sionisme et religieux. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on oublie souvent, c'est la grande bourgeoisie juive. Imaginez bien que les Rothschild ou autres n'ont aucune envie d'aller labourer la terre dans les kibbutz. Ils préfèrent rester là où ils sont et faire fortune, je veux dire. Donc, on a vraiment un refus absolument massif du projet sioniste. Là encore, ce n'est pas la méthode Coué, j'ai un chiffre précis à vous donner. Il y a, à l'époque, entre 1881 et 1924, pourquoi 1924 ? Parce qu'aux États-Unis, c'est les anti-immigration qui durcissent énormément l'accueil des immigrés. Eh bien, entre 1881 et 1924, il y a 3,5 millions de Juifs européens qui quittent l'Europe. Où vont-ils, à votre avis ? En Palestine ou aux États-Unis ? Presque tous vont aux États-Unis. Et à la fin de l'année 1939, en Palestine, il y a 460 000 Juifs qui sont venus au fur et à mesure, notamment à partir de la période de la montée d'Hitler au pouvoir, c'est-à-dire 2,9% de la population juive mondiale. Ça vous donne quand même une idée du positionnement des Juifs à l'époque par rapport au projet sioniste. Que dans ces 460 000, la proportion de ceux qui sont venus d'Allemagne après la victoire d'Hitler en 1933 est énorme. Et ils viennent d'autant plus facilement qu'il y a en août 1933 un accord entre le gouvernement nazi, en août, hein, c'est quelques mois après la nomination d'Hitler comme chancelier. Donc le gouvernement nazi d'un côté et l'organisation sioniste mondiale de l'autre. Et cet accord, qui s'appelle Ahavara, ce qui veut dire transfert, il a une particularité, c'est qu'il permet non seulement aux Juifs de quitter l'Allemagne, mais ça, à l'époque, d'autres peuvent la quitter, mais les autres partent sans un pfennig dans la poche. Ceux qui vont en Palestine ont le droit de retrouver, en arrivant là-bas, une partie de leurs biens sous forme de produits exportés par l'Allemagne nazie. Donc c'est quand même extrêmement significatif de la difficulté morale que pose ce genre d'accord. Parce que d'un côté, c'est vrai, environ 100 000 Juifs allemands, grâce à cet accord, ont échappé à la Shoah, qui les aurait détruits comme les autres. Mais d'un autre côté, c'était un accord avec le régime nazi. Si vrai d'ailleurs que celui qui a élaboré cet accord, Chaim Arlosorov, le numéro 2 de Ben-Gourion à l'époque, il a été assassiné dans des conditions mystérieuses sur la plage de Tel Aviv. Pour dire qu'il y a des gens qui considéraient que cet accord était impardonnable. Le génocide nazi va bouleverser tout cela, complètement. Mais pas seulement par les victimes, les 6 millions de morts. Je signale d'ailleurs au passage, une parenthèse, que quand on dit 6 millions, ce n'est pas un chiffre tabou, un chiffre symbolique. Moi, j'ai rencontré à Moscou des démographes à l'époque soviétique qui m'ont expliqué qu'en fait, il y avait vraisemblablement plus,
plus que 6 millions, presque 7 millions. Pourquoi ? Parce que dans la partie qui se trouvait entre la Pologne et l'Union soviétique, sur laquelle Staline a mis la main après le pacte germano-soviétique, il y avait d'énormes communautés juives sans état civil. On ne sait pas combien de gens vivaient, dans quelles conditions ils sont morts. Ça, il y a eu vraiment un grand doute sur cette partie-là de l'Union soviétique, ou de la Pologne occupée, ou des pays baltes occupés. Donc on a, après le génocide, plusieurs centaines de milliers de survivants qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Imaginez qu'en Pologne, les pogroms antisémites continuent jusqu'en 51-52. Je dis ça, si j'étais polonais, j'irais en prison. Comme vous le savez, on a une loi qui a été votée par la Diet qui interdit de parler de la collaboration polonaise avec l'Allemagne nazie. Ce qui est d'autant plus scandaleux, quand même, il faut le dire, que d'après tous les historiens polonais, cette collaboration a été massive. On estime que 300 à 400 000 juifs polonais ont été tués, non pas par les nazis, mais par des collabos polonais. Donc la moindre des choses, ce serait qu'on puisse tout à fait naturellement en parler. Donc ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne peuvent pas non plus aller aux États-Unis, parce que les lois de 1924 sont toujours là, et les États-Unis ne donnent aucun visa. Quand je dis aucun, c'est aucun. Il y a vraiment quelques privilégiés, mais sinon, il n'y a pas. Donc, tout à fait naturellement, une bonne partie de ces survivants, presque tous, partent, à l'initiative des organisations sionistes, vers Israël, enfin vers la Palestine, d'abord, puis ensuite vers Israël. Et puis, comme il y a un bon Dieu, on vient justement d'expulser 800 000 Palestiniens pendant la guerre de 47-49. Donc il y a de la place. Il y a des villages entiers palestiniens qu'on peut restructurer pour accueillir ces survivants. Réfléchissez juste un tout petit moment. Comment qualifier cette émigration vers Israël, vers la Palestine, vers Israël? Elle est sioniste ou elle est une émigration parce qu'on ne peut pas faire autrement? Certainement qu'il y a des sionistes et des gens convaincus, bien sûr, mais l'immense masse des gens, ils vont là-bas pour reconstruire leur vie qu'ils ne peuvent pas reconstruire ailleurs. Et ça va être exactement la même chose avec les deux autres vagues d'émigration vers Israël. La première, c'est les juifs arabes. Les uns sont expulsés par leur gouvernement, les autres sont importés par le gouvernement israélien qui a besoin de main-d'œuvre, de soldats. Où voulez-vous que ces juifs arabes aillent, à part Israël? Ils sont juifs et arabes, les deux. On ne va pas les accueillir en Europe. Il n'y a pas de Madame Merkel à l'époque pour les juifs arabes. Pas l'idée. Vous avez ensuite, donc ce que je veux dire là, il n'y a pas non plus de choix sioniste. Il y a une situation qui fait qu'on choisit la seule solution qui existe. Et après on a, dans les années 90, beaucoup plus tard, les juifs soviétiques. Alors je mets des guillemets à juifs, parce qu'en fait, selon tous les spécialistes israéliens que je connais, il y a au moins la moitié de ces juifs qui ne sont pas juifs. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'émigration vers Israël, c'était la seule manière légale de quitter l'Union soviétique. On avait le droit, sinon on n'avait pas le droit, mais là on avait le droit. Donc énormément de soviétiques ont profité de l'occasion. Et comme il n'y avait plus de culte juif, qui avait plus de synagogue, qui avait plus d'état civil, qui avait plus de circoncision, qui avait plus, etc., etc., ben, c'était pas difficile de dire « je suis juif ». 1 400 000 personnes arrivent comme ça à Tel Aviv. Moscou, Tel Aviv.
Et dans leur esprit, ils vont faire Tel Aviv, New York. Mais Yitzhak Shamir, le premier ministre de l'époque, qui était très rusé, il s'était mis d'accord avec le président Reagan pour qu'il n'y ait pas de visa américain pour ces juifs soviétiques. Et donc ils se sont tous retrouvés coincés. Là encore, certainement, il y en avait qui étaient sionistes et contents d'être là, mais la plupart, pas vraiment, d'autant qu'on les a mis dans les colonies. Parce qu'il fallait remplir les colonies. Donc on leur a dit, il n'y a pas de place là, à Tel Aviv, mais vous pouvez aller à Hébron, vous pouvez, etc., etc. Bref, on a une situation, quand on y réfléchit, où les trois grandes vagues d'émigration vers Israël ne sont pas des vagues de conviction sioniste, mais des vagues de solution à des problèmes insolubles autrement. 70 ans après la création d'Israël, il y a aujourd'hui 6,5 millions de juifs en Israël et dans les territoires. Le hasard fait que c'est le même nombre exactement que celui des Palestiniens en Israël et dans les territoires. Cette égalité démographique, elle est quelque chose qui inquiète beaucoup les dirigeants israéliens. Parce que, à la fois, leur politique, c'est une politique d'annexion de territoires de plus en plus importants. Là, maintenant, certains disent qu'on veut annexer toute la Cisjordanie. Mais en même temps, quand on fait ça, on annexe aussi un grand nombre de Palestiniens. Donc, il y a là une source de contradiction. Au fond, on est dans une situation complètement absurde. Le projet sioniste, c'était un État juif, à majorité juive. La politique, je ne dis pas le projet, mais la politique de Netanyahou et de ses alliés et complices d'extrême droite, c'est un État juif à majorité arabe. Donc ça va poser des problèmes dans les temps qui viennent. Alors, quand on prend Israël avec 6,5 millions de juifs, et qu'on sait qu'il y a 16 millions de juifs dans le monde, d'après les dernières statistiques, ça veut dire clairement que la majorité des juifs aujourd'hui, pas en 1903, aujourd'hui, ne sont pas en Israël. Alors on peut dire qu'ils sont sionistes, mais s'ils sont sionistes et qu'ils n'y vont pas, il y a un petit problème quand même, de logique. En réalité, ils ne sont pas sionistes, voire ils ne veulent pas partager le projet sioniste. Quant à leur incapacité à s'assimiler, c'est proprement grotesque. Est-ce que vous savez, aux États-Unis, quel est le pourcentage de mariages mixtes, je veux dire juifs, non-juifs? 70%. Vous me direz la belle affaire, je vais vous répondre la belle affaire, mais pour les rabbins, ce n'est pas la belle affaire. Parce qu'une femme non-juive qui fait des enfants avec un juif, les enfants ne sont pas juifs. En tout cas pour les orthodoxes. Donc on a là un vrai problème, mais en tout cas pour la démonstration d'Emmanuel Macron, ça fait tâche. Majorité de juifs pas en Israël, et majorité, large majorité de mariages mixtes. C'est un peu moins en France, en Europe, mais c'est aussi un très fort pourcentage de mariages mixtes. C'est pas fini. Il y a, d'après les démographes israéliens, avec qui j'ai parlé, hein, c'est pas des lectures, aujourd'hui, alors eux ils disent « the million missing », le million qui manque. Bon, à mon avis c'est un peu excessif, mais il y a plusieurs centaines de milliers de citoyens israéliens qui ne vivent plus en Israël. Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? On ne sait pas. Du business, des études, ils sont amoureux. Bref, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont plus en Israël. C'est pas fini. À Berlin, qui est quand même l'ancienne capitale du Reich, pour ceux qui ont une mémoire, il y a 100 000 Israéliens, citoyens israéliens, à Berlin. Hein, c'est pas Luxembourg ou Nice ou Montpellier. Hein, c'est... Quand Montpellier, vous avez
communauté importante. Donc, on a vraiment une situation très particulière. Et je donne un dernier élément, et j'en arrête là avec les chiffres, parce qu'on pourrait dire, et les Juifs français qui partent. Il y a eu une montée de l'Aliya française à partir de 2014, 2015, 2016. C'est d'ailleurs retombé aujourd'hui, mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est que, bon, c'est un chiffre qui est un secret d'État. Donc on ne peut pas le vérifier, là je n'ai pas d'éléments. Mais d'après mes amis israéliens qui suivent un peu, il y a au moins un tiers qui est déjà rentré. Ce n'est pas des antisionistes, hein. C'est des Français. Donc l'hébreu, il ne parle pas. L'anglais, il croit qu'il parle, mais il n'y a que qui croit. C'est très difficile quand on est... Parce que c'est presque tous des juifs d'Afrique du Nord. Hein, ceux qui partent. Ce qu'on appelle à tort des séparés. C'est pas, il n'y a pas d'Ashkenaz. Hein. Pas du tout d'Ashkenaz qui sont partis en Israël. Donc, pour ces gens-là, qui ont eu un passé d'affrontement avec les Arabes, notamment en Algérie, c'est un peu compliqué de se retrouver dans une situation de tension avec les Arabes. C'est-à-dire... eux, ils pensaient aller dans une société juive, et voilà, on est en plein milieu d'un conflit. Israël est peut-être aujourd'hui le lieu le plus dangereux pour un juif. Au monde, le plus dangereux pour un juif. Bon, un peu moins depuis que les attentats kamikazes ont arrêté, mais quand même, il y a beaucoup de violence. Alors, tous ces juifs-là, ceux d'hier qui ne voulaient pas du projet sioniste, ceux d'aujourd'hui qui n'y vont pas en Israël, ou pire, qui ont quitté Israël, ces Français qui sont venus, qui sont partis, ils sont antisémites, à votre avis? Non. C'est grotesque. La logique du président de la République, c'est absurde. Bien sûr que ces gens ne sont pas antisémites. Ils ont simplement voulu poursuivre leur vie là où ils vivaient, de longue date ou récemment, et pas ailleurs. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui décoiffe Francis Khalifa, le président du CRIF. Oui, je sais bien que Khalifa, c'est un drôle de nom pour un président du CRIF. C'est comme ça. C'est pas ça qui le rend antipathique, c'est plutôt qu'il était président du Bétard quand il était jeune, l'organisation juive fascisante. Voilà les chiffres. C'est des chiffres là de sondage, ils sont très intéressants, ces deux enquêtes qui sont parues au printemps. C'est l'IFOP. 57% des Français ont une mauvaise image d'Israël. 68% chez les jeunes. 69% ont une mauvaise image du sionisme. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière le mot, mais ils le disent. 74% chez les jeunes. Et 71% pensent qu'Israël porte une lourde responsabilité dans l'absence de négociations avec les Palestiniens. On n'a jamais eu de sondage de ce type depuis 50 ans. Jamais. Alors évidemment, on n'était plus dans la période de 67 où 97,7% des gens étaient pour Israël et le reste, c'était nous deux. Voilà. Mais c'est vraiment une dégradation extraordinaire de l'image d'Israël. Je précise que l'enquête a été faite avant les tueries de Gaza. Donc j'imagine la même enquête après, ce qu'elle donnerait. Alors peut-être, là aussi, on pourra nous dire qu'ils sont antisémites, puisqu'ils pensent tellement mal d'Israël. Manque de peau, il y a un autre sondage d'Ipsos, bon, qui porte sur beaucoup d'autres sujets, c'est les relations entre les religions en France. Donc, l'électorat le plus critique à l'égard de la politique d'Israël, c'est celui de la France insoumise, du PC et de l'extrême gauche. Ce n'est pas vraiment une découverte. Mais le même électorat, le même, est le plus empathique à l'égard des juifs face à l'antisémitisme, le plus résistant aux préjugés antisémites. Donc, on ne peut pas dire que l'antisionisme mène à l'antisémitisme.
Et il y a une autre dimension de la petite phrase du président de la République, c'est que le CRIF s'y est accroché pour demander l'interdiction de l'antisionisme. Si ce n'était pas sérieux, on rigolerait, parce que ça veut dire les communistes vont demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes l'interdiction de l'antigaullisme, les libéraux l'interdiction de l'altermondialisme, et on est parti quand même dans quelque chose de bizarre. Mais surtout, on a, avec cette volonté du CRIF, une tentation, pour ne pas dire une tentative, de créer en France un délit d'opinion qui n'existe pas. Il n'y a pas en France de délit d'opinion. Je dis créer, je me reprends, je corrige, recréer. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, ma maman lisait les journaux pendant la guerre d'Algérie, et puis il y avait des pages entières qui étaient blanches. Vous savez ça ? La commission de censure passait le soir dans les journaux, à l'époque il n'y avait pas d'informatique, c'était du plomb, et on enlevait des galets de plomb, et on censurait. Alors, la question est simple, est-ce que Francis Khalifa veut ça ? Il veut la censure en France, contre ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des amoureux transis de la politique de Netanyahou. Si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, vous prenez la Constitution de la Ve République, 1958, vous prenez la Déclaration européenne des droits de l'homme, le point commun à tous ces textes, c'est la défense de la liberté d'expression, la primauté de la liberté d'expression sur toute autre exigence. Je vous donne un exemple précis à propos de la campagne BDS, dont je n'ai pas parlé ici, qui a été la première cible du CRIF avant qu'il se tourne vers l'antisionisme. Sur des centaines et des centaines d'actions de boycott en France, il y a eu, malgré la circulaire Alliot-Marie qui appelait tous les parquets à sévir, il n'y a eu que 12 procès. Sur ces 12 procès, il n'y a eu que 2 condamnations. Et la dernière condamnation, la plus importante, celle de Colmar, elle est aujourd'hui sur la table de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons une haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité, la ministre des Affaires étrangères européennes, si vous voulez, Federica Mogherini, qui, à chaque fois qu'on lui demande ce qu'elle pense du boycott de BDS, elle répond en deux temps. Premièrement, personnellement, je suis contre. Deuxièmement, en tant que responsable européenne, je peux vous dire que la règle de l'Union européenne, c'est la liberté d'expression, et elle ajoute, y compris BDS. Je vois mal la Cour européenne de justice aller ouvertement contre cet engagement, ou plus exactement, je vois mal Federica Mogherini s'engager là-dessus sans avoir quelques garanties de ce qu'on va décider. Donc je pense que si, par hypothèse, j'espère absurde, le président de la République disait à son Premier ministre, Édouard Philippe, de préparer une loi interdisant l'antisionisme, si le gouvernement, j'en doute pas alors si c'était ça, adoptait cette loi, si les godillots de la République en marche, si ces godillots-là sont saisis d'un projet de ce type, c'est évident qu'ils le voteront. Mais ça s'arrêtera au Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas, ça je mets ma main à couper, accepter de cautionner une loi qui instaure ou réinstaure un délit d'opinion. Ça n'est pas possible. Alors on se demande pourquoi tout ça ? Pourquoi cette agitation autour de la phrase du président de la République ? Eh bien c'est très simple. Parce que jamais Israël n'a été aussi isolé, non pas en général,
mais au niveau des Nations Unies, dans l'arène qui est représentative de l'ensemble de la communauté internationale. Vous savez évidemment que l'État de Palestine a été admis à l'UNESCO, à plein titre, il a été admis à l'Assemblée générale de l'ONU avec un statut d'observateur, qu'il a été admis, c'est encore plus important, à la Cour pénale internationale, ce qui fait que maintenant les Palestiniens peuvent poursuivre les Israéliens lorsqu'il y a des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Mais ça, ça ne vous dit pas tout, parce que ça, c'est des institutions. Je vais vous donner un exemple. Il y a chaque année une résolution de routine, hein, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un fait politique majeur, qui est une résolution que l'Assemblée générale vote pour le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien. La dernière fois qu'elle a voté, c'est-à-dire il y a un an, elle va revoter à nouveau cette année, cette résolution a été adoptée par 176 voix, je vous rappelle qu'il y a 194 États à l'ONU, contre 7. Donc il y a les États-Unis, évidemment important, il y a Israël, qui se défend, c'est normal, il y a le Canada, et puis après, il y a des États absolument majeurs, majeurs. Les îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru et Palaos. Pas d'illusion, ces 176 ne bougent pas le petit doigt quand il faut vraiment bouger le petit doigt. Imaginez pour un État créé par l'ONU, je le rappelle, ce que ça signifie de n'avoir que 3 votes significatifs, les 4 autres allemands, pour se défendre à l'ONU. Donc il y a vraiment une peur de cet isolement. D'autant que tout ce qui est en route maintenant depuis 2 ans en Israël, j'en reviens là, je pourrais vous parler des heures de ce qu'on a vu, c'est une radicalisation sans précédent, une fascisation de la politique en cours. Avec la politique d'annexion, j'en parlais tout à l'heure, une politique liberticide avec 12 lois plus invraisemblables les unes que les autres. Je ne vous donne qu'un exemple, c'est unique au monde. 90 députés israéliens sur 120 peuvent exclure les autres. Vous imaginez, La République En Marche se réunit et décide qu'on vire les députés de la France Insoumise, les députés du PC, ceux du PS, c'est ça. Il faut bien mesurer enfin, à quel niveau on est d'avancer vers le totalitarisme. Ça, c'est quand même une réalité à laquelle il faut ajouter les flirts qui deviennent des grandes aventures amoureuses de Netanyahou avec le Premier ministre hongrois qui fait l'apologie du Pétain hongrois, le régent Horthy, qui est responsable de la mort de 430 000 juifs, ça ne gêne pas Netanyahou, il va embrasser Orban. Vous avez la même chose avec Kaczynski en Pologne, qui vient de voter la loi dont je vous ai parlé. Ça n'a pas gêné Netanyahou non plus. Il a attendu qu'il y ait une petite modification de détail, et il a fait une déclaration avec son homologue polonais pour blanchir totalement les Polonais. Plus un mot de la collaboration, tout ça, pas de problème. Il a même, mais ça, on est au niveau de la nausée, au sens sartrien du terme, il a même été en Lituanie, pays dont vient sa famille. Sa famille est partie juste avant le génocide. Pas un mot. Il a parlé là-bas, c'était vraiment les grands amours. C'est quand même assez étonnant, s'agissant d'un pays dont 97% des Juifs ont été exterminés pour une bonne partie avant l'arrivée des nazis. Quand les Einsatzgruppen sont arrivés à Vilnius, ils ont dit « Où sont les Juifs ?» pour les tuer. Les Polonais, les Lituaniens, pardon, collabos, ont répondu « C'est fait. » Donc vous prenez tout ça,
l'annexion, les lois liberticides, les alliances contre nature, et vous vous dites, ça va être compliqué de défendre ça. Même pour Francis Khalifa, ça va être compliqué de défendre ça. C'est trop. Et donc l'idée, c'est que l'agitation autour de BDS et l'agitation autour de l'antisionisme, c'est une manière d'essayer de desserrer l'étau. Je suis quand même quelqu'un d'assez curieux, donc le soir du dîner du CRIF, le 7 mars dernier, j'ai été écouter le discours du président de la République. Il avait oublié sa petite phrase du bel livre. Il a mis son mouchoir dessus. Son Premier ministre, quelques jours plus tard, le 19 mars, présentait le plan d'action du gouvernement contre le racisme et l'antisémitisme. C'était l'occasion ou jamais de reprendre ma petite phrase. Pas de petite phrase. Je me suis laissé dire que, vraisemblablement, cette phrase avait fini de venir orner les discours du président et du Premier ministre. Si c'est ça, ben j'en serais très heureux. Évidemment, je n'y croirai que quand le temps aura passé et que cette perle sera devenue une perle parmi d'autres, il faut le dire, d'Emmanuel Macron. Merci de votre attention. Merci.